Pendant qu'on fait soupir, on a lu Exode chapitre 4, le verset 22. Exode chapitre 4, le verset 22. Alléluia. Verset 22 et 23. Après ça, nous allons lire Exode 12, verset 12. Mais on a commencé d'abord, eh bien, avec, eh bien, Exode chapitre 4, verset 22. En nous toutes lire ensemble. Préparez-le pour mettre dans le créole tout. En nous toutes lire ensemble. Lydie, dit qui ça? Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon. Israël est mon. Israël est mon. Mon premier-né. Et puis, on est ensemble. Il dit qui ça? Je te dis. Laisse aller mon fils. Pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils. Regardez. On va relire verset 1 comme on va relire dans l'autre genre. Remettez la première partie verset 1 pour moi. On va relire dans l'autre genre. On nous lit encore. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Au lieu d'Israël, on va dire non. On va dire 7 fois. On nous lit ensemble. Tu diras à Pharaon, Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Grégory est mon fils. 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 Moi dis Grégory est mon fils. Moi dis à Grégory est mon fils. Mon premier-né. Mon premier-né Pharaon. Mon premier-né. Je te dis, laisse. Je te dis, Grégory est mon fils. Akarabakati. Ayakarababaye. Yekerebo shatababaya. Rabababakatabaya. Laisse aller mon fils. Laisse aller. Laisse aller mon fils. Tenez. Nous connaissons maintenant un temps de jeûne personnel. Nous te dis nous comme ça que m'baka dit nous toute bagaille que l'Éternel te dit keep it there. M'baka dit nous toute bagaille que l'Éternel te dit dans une seule nuit. Mais yon, nous te dis de temps ça m'a partagé un petit bagage avec vous. Une bagaille que l'Éternel te dit à peu près 3 jours après me fini jeûne. À peu près 3 jours me fini jeûne. L'Éternel te dit comme ça dans année 2019 pour l'entrée 2020. Il dit comme ça, libéral passé avec tabernacle de gloire. N'a passé de l'esclavage à l'héritage. Et on va donner ça dans tout là. De l'esclavage à l'héritage. De l'esclavage à l'héritage. Cherchez cette bonne baron page partie de l'esclavage à l'héritage. De l'esclavage à l'héritage. De l'esclavage à l'héritage. Toute nuit qui va le vigner à bras d'or. Toute nuit qui va le vigner à bras d'or. Toute soirée sa bras d'or. Toute moment sa bras d'or. C'est bras 12 nuits de prière. 12 nuits de prophétie. 12 nuits de présence de Dieu. 12 nuits de gloire. Quand on va le passer de l'esclavage. De l'esclavage. De l'esclavage, du gloire. Ou mettre chita rapide. Aïe. Assoyez-vous, m'pap. Enseignez. Assoyez-vous, m'pap. Prêchez.
mais à soi à m'bral prophétiser. Vous m'entendez ça m'a dit là. M'pas bral prêcher, m'pas bral enseigner, mais m'bral prophétiser. M'bral faire des déclarations sur la vie. Et puis pendant on va recevoir parole ça yo a tant qu'on semence qui tombe dans la vie et là yo tombe dans la vie, yo bral porte fruit, là yo porte dans la vie, il y a pas résultat, là yo tombe dans la vie, il y a pas fleuri. Aïe aïe aïe, moi tout comme ça, année esclavage, année Égypte, année la caille pharaon, à passer la mille ha. Moi tout comme ça, l'Éternel dit de 2019 à 2020, dans 2019 vous êtes dans esclavage. Lavage, mais pendant la traversée pour une nouvelle année, on va traverser à l'évidence. Moi, je dis de l'esclavage, de l'esclavage, de l'esclavage, de l'esclavage, de l'esclavage. Bon, tu chies. Bon, tu chies. Bon, moi, si je vais expliquer rapidement ça, me voulait dire. Et puis pour me déclarer, pour me faire quelques déclarations prophétiques sur la vie. Oh, yes. Alléluia. Oh, Lord, help me here. The presence of God is so heavy. I don't even know how to stop. Hey! Takarabasikede. Bah, l'Éternel applaudit. L'Éternel est là. L'Éternel est là. Toute la glisse là c'est du feu, parce que l'Éternel est là. L'Éternel est là, l'Éternel est là. Toute l'église là c'est du feu, parce que l'Éternel est là. Oh, l'Éternel est là. Toute l'église la sait du feu, parce que l'Éternel est là. L'Éternel est là. L'Éternel est là. Toute la vie, moi, c'est du feu. Toute la vie, moi, c'est du feu, parce que l'Éternel est là. Toute la vie, moi, c'est du feu. De la Bible, toute l'histoire de la Bible, qu'a résumé dans trois mots, de Genèse à Apocalypse, ou qu'a résumé toute l'histoire de la Bible en trois mots, génération, dégénération, régénération, génération, dégénération, régénération. Génération signifie création. Comment bon Dieu crée les cieux et la terre. Soit lit la Bible dans King James Version ou bien Darby, ou après Genèse, chapitre 1 et puis chapitre 2 dit voici les générations des cieux et de la terre. Ça veut dire voici les origines des cieux et de la terre. Genèse chapitre 1 et 2 montre origine la terre et origine les hommes. Dans Genèse chapitre 3, qu'on bagay qui rentrait et puis commencé dégénération. Tout bagay commencé dégénérer dans Genèse chapitre 3. Le péché entré. De Genèse chapitre 3 jusqu'à Genèse chapitre 11, c'est dégénération. Genèse chapitre 3 montre dégénération de l'homme. Adam tombé dans le péché. Genèse chapitre 4 et 5 montre dégénération de la famille. Caïn tué Abel propre frère. Et pour garder dans chapitre 5, tout le monde a mouru. Genèse chapitre 6 à 9 montre dégénération de la société. La société devient tellement terrible que bon Dieu obligé de voir un déluge. Genèse chapitre 10 et 11 montre la dégénération des nations. Parce que Genèse chapitre 10 présentait la table des nations et Genèse chapitre 11 montrait que nation est tellement corrompue, bon Dieu obligé de descendre, créer la. Et mettez la tour de Babel et fassez-vous disperser à travers le monde.
Genèse génération, dégénération. Maintenant, dans Genèse chapitre 12, le plan de régénération commence. Comment le plan de régénération commence? Dans Genèse chapitre 12, pour dire le nom. Il dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et puis il dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dans Genèse chapitre 12, le plan de régénération du monde commençait avec un homme. L'Éternel relait un homme avec un homme sale pour faire une nation. Il relait un homme qui relait Abraham avec lui pour faire une nation qui relait Israël. En dans nation, ça a un autre homme qui va le sortir, qui relait Jésus. Car le salut vient des Juifs. Et nom ça va recréer une autre nation qui est l'Église. Et puis l'Église même va établir le royaume de Dieu sur la terre. Et puis il va prêcher la régénération à travers le monde. Et Christ vient pour le venir. Il vient chercher son Église glorieuse. Et puis faire une belle noce avec elle dans le ciel qui est les noces de l'agneau. Ou qu'a résumé toute l'histoire de la Bible en trois mots saillants. Génération, dégénération, régénération. Mais pour bon Dieu, tu as commencé le plan de régénération. Comme moi, il faut te relayer un nom qui relaye Abraham. Et puis avec Abraham, il va faire une nation. Donc, il relaye Abraham. Et puis Abraham, il fait une promesse. Il dit, va-t'en de ton pays, je ferai de toi une grande nation. Abraham suit monsieur. Abraham tend l'Éternel pendant des années. Il était 75 ans. L'Éternel fait la promesse là. Libral vient une petite là à 100 ans. Donc il fait 25 ans à attendre l'Éternel. Il tend l'Éternel pendant des années. Et puis il vient faire une petite qui est Isaac. Isaac. Quand il y a Isaac, lui-même, Libral marié. Et puis Libral bat un homme qui est Jacob. Jacob lui-même, qui ça Libral fait? Libral fait 12 petites. Qui va tourner 12 tribus. Et 12 tribus, ça y est, même Jacob, c'est lui qui va aller Israël. C'est lui qui va aller Israël. Donc, il vient faire 12 petites, qui va aller 12 tribus d'Israël. Vin gagne une famine en Israël. Vin gagne un problème en Israël. Vin gagne une tête chargée en Israël. Côté moun pas qu'à manger. Eh bien, famille, ça. Qui t'est multiplié, qu'on a été 70 personnes, de 12 personnes à 70 personnes, eh bien, ils ont entré en Égypte parce que ils étaient grand goût. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils étaient à Gozen, côté il a bien mené. Il a bien mené à Gozen, sous le règne de Pharaon. Mais la Bible dit comme ça, avec le temps, qu'on l'autre Pharaon qui vient lever, qui pas connaît Joseph. Et là, regardez, le peuple ça a multiplié. D'évangile. Li wè peuple a multiplié d'évangile. Li dit qu'on sa peuple ça qu'a multiplié a représenté yon menace pour nous. Peuple ça qu'a multiplié a Pharaon dit qu'on sa représenté yon menace. Est-ce qu'on connait représenté yon menace pour Satan le diable? Est-ce qu'on comprend ça? Ou représenter yon menace pour Satan le diable. Quelquefois ou bral nan ti l'église ou va fè ti travail ou comprend mais ou bral l'école ou pas dans business moun et pour gen moun qui campé contre ou est diable la pa vle ou elle blessa ti kol krazo parce que li wè yon bagay nan. Est-ce qu'on entend ça m'a dit hein? Parce que ennemi. Donc Pharaon gata yon bagay nan Israël, li dit si peuple ça yon jour pou valè moun mwen yo gen si gon jour yo levé campé contre nous n'a perdu bataille. Donc, il dit comme ça, eh bien, on nous levé camper contre le peuple. Quelquefois, ouais, Satan attaque. Satan pas attaque pour s'en gagner Kounia. Satan attaque pour s'en gagner gagner Pita. On va pas attendre ça, Mamjou là, non? Mbraljou. Quelquefois, Satan attaque. Ouais, mais ça fait diable attaque. M'gagne problème. Pas gagne qu'à marcher pour moi. L'école là, pas marcher. Santé, pas bagarre. L'aime garder là, pas gagne là même. Pour qui ça, Satan pas chercher l'autre target? Pour qui ça, pas chercher l'autre monde? C'est parce que Satan pas garder le présent. Pharaon a gardé qui compte au bralé. Et puis, le gars t'a senti. N'a mis ta problème, yo, qu'on destiné. N'a mis ta tête chargée, yo, ou qu'on destiné. N'a mis ta soir passé, à l'issant ou bral rivé yon côté. Sous comprendre, ça me dit, a dit gloire. So Pharaon dit comme ça.
eh bien, qui ça nous oblige, fait nous oblige à attaquer peuple ça, parce que si on levé contre nous, ils sont capables de détruire nous. Et puis la Bible dit comme ça, qui ça, ils ont commencé à faire. Et puis, ils ont commencé à faire travail Israël pidu. Ils ont commencé à travailler Israël pidu. Ils ont fait, ils ont construit rivière. Ils ont fait, ils ont construit canal. Ils ont fait, ils ont travaillé dans les champs. Ils ont fait, ils ont travaillé mortier, etc. Nous appelions historien après-midi, quand il y a dit travail égyptien, ils ont été tellement durs. Eh bien, que dans un seul canal, que vous avez construit 20 000 personnes tombées mourir dans le canal. 20 000 personnes mourir dans le canal. Les gens en bas, du feu à sous tête, chaleur, vous n'avez pas bien mangé, il y a poté poids. 20 000 personnes mourir en seul coup. Gon l'autre historien qui dit 150 000 personnes mourir en seul coup. Donc, les pharaons paraît, les vinyles bayo travail du, c'est pour décimer le peuple là, c'est pour détruire le peuple là, c'est pour craser le peuple là, c'est pour éliminer le peuple ça. Est-ce que nous comprenons ça, Mabdia? Et puis, pendant Israël a souffrir, pendant Israël a passé misère, pendant Israël a poté bloc, pendant Israël a brassé mortier, pendant Israël a fait canal, pendant Israël en bas soleil, pendant Israël a soué, et puis la Bible dit qu'on s'agonne qui naît, qui relè Moïse, et puis pendant le peuple a travaillé Dieu, et puis l'éternel paraît dans le désert. Est-ce qu'on entend ça, Mabdia? Levez-moi, on l'a dit, l'éternel paraît. Dis l'éternel paraît. Dis l'éternel paraît. Pendant que yon dans le désert, pendant Moïse dans le désert, regardez le yon buisson. Yon buisson, yon petit pied bois, et bien qui prend du feu. Même j'en saute à chanter là. La gloire de l'éternel, Théova, descend sous mon Sinaï. Montagne là, te prend du feu, parce que l'éternel te là. Et bien pendant monsieur sous mon Sinaï, et puis le gade comme ça, yon petit pied dans le désert là, yon petit buisson ardent. Et puis le du feu là, et bien, du feu là dans pied bois, mais pas consumé. Parce que du feu te là, c'est pas ton du feu normal, c'était la gloire de l'éternel qui était manifestée tant qu'on du feu. Est-ce qu'on a dit ça, Mabdi Allah? Quand on chita là, dans le monde physique, moun pa wè du feu, même dans le monde spirituel, moun qui malfecte, ou pas de ça, Mabdi Allah, moun qui malfecte, moun qui a volé l'ougaou, si yon gade jè ou yon wè du feu, yon gade main ou yon wè du feu, yon gade pied ou yon wè du feu, yon gade cheveux ou yon wè du feu, ça fait ça la gloire de l'éternel manifestée. Sou comprendre ça, dit gloire. Regardez le voyant du feu qui prend pied bois. Et puis du feu n'a pas boulé pied bois. Parce que du feu n'a pas du feu normal. C'était la gloire de l'éternel qui était manifestée. Les îles m'arrêtent dans un feu ardent. Et puis la Bible commence à par curiosité. Moïse paraît pour la regarder. Pour voir comment fait pied bois prendre du feu. Et puis il pas consumé. Comment pied bois fait du feu. Et puis il pas cancané. Comment pied bois fait du feu. Et puis il pas incendié. Comment pied bois fait du feu. Et puis il pas tout incendie. Et puis pendant le bras le garder. Et puis c'est même bon. Pendant la avancé, l'étendon voix qui dit Moïse, hey, aïe, aïe, Moïse, lire les monsieur deux fois et puis le par nom. N'a aimé rappeler à soya que l'éternel qu'on nom, l'éternel qu'on dossier, l'éternel que baptiste, l'éternel qu'on lire les Moïse, lire les, il dit Moïse. Il dit, enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, parce que la gloire de Dieu n'en place là, la gloire de Dieu n'en lieu, la gloire de Dieu n'en espace là, son espace qui saint. Mes amis, la gloire de Dieu n'en caillou le saint, la gloire de Dieu n'en cuisine ou le saint, la gloire de Dieu n'en chambre ou le saint, la gloire de Dieu n'en l'église ou n'en corps et office ou n'en. Levez-moi, allez dit gloire. Il dit, enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et puis après l'éternel vient faire monsieur retirer souliers. Ça veut dire pour suivre les protocoles du royaume. Parce que l'éternel c'est un roi que lié. L'éternel son chef d'état. L'homme a rencontré le rencontrer l'ange. L'homme a rencontré la reine Elisabeth. Ou pas capable de montrer la porte pour longer mes balais. Ou comprendre moi? Ou pas capable habiller même Jean. N'importe Jean. Ou pas capable mettre colère n'importe courage. Parce que ton protocole, l'homme a rencontré un roi. Depuis que l'homme a rencontré le Seigneur des Seigneurs, il dirait souliers. Parce que mon protocole pour abroger. Li fait monsieur, est-ce qu'on a laissé dire là? Li fait monsieur suivre protocole là. Après monsieur fin suivre protocole là, et puis l'éternel introduit tête lui. L'éternel dit Moïse, il dit je suis l'éternel, le Dieu de tes pères. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
l'Éternel introduit tête li pour Moïse capable connaître qui est-ce que lié. Parce que Moïse t'a fait un pile temps en Égypte, t'as un faux dieu en Égypte, t'as un dieu soleil en Égypte, t'as un dieu la lune en Égypte, t'as un dieu cabrit en Égypte, t'as un vaudor en Égypte. Donc l'Éternel introduit tête li pour dire ça, c'est parti dieu yo, c'est parti diable racial yo, c'est parti baka yo, yo qu'on a servi yo, c'est l'Éternel qui descend là. Sous ta descente tout là dit gloire. L'Éternel introduit tête lui. Il dit, je suis l'Éternel. Alléluia. Je suis l'Éternel. Je suis Yahweh. Je suis Yahweh, le Dieu d'Israël. Alléluia. 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 Come on, worship team. Nous sommes t'a chanté. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. Sing it again. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Who say Yahweh? Who say Yahweh? Who say Dieu de ta père,
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et c'est moi qui parais pour vous aujourd'hui. Et puis Kounia, Moïse répond, il dit Seigneur, merci parce qu'on introduit tout, merci parce qu'on m'a nom, merci parce qu'on m'a signature, merci parce qu'on montre identification. Et bien Kounia, il dit comme ça, puisqu'on c'est Yahweh, ou c'est l'alpha et l'oméga, ou c'est le commencement et la fin, Moïse posait l'Éternel en question, il dit l'Éternel, puisqu'on c'est Yahweh, et puis Kounia décide pour voyer. Parce qu'il dit, je suis l'Éternel, je t'envoie à Pharaon. Il dit comme ça, eh bien. Eh bien, qui ça? Je me dis Pharaon. Est-ce qu'on t'a dit? Il dit, je suis l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel. Attendez, oui. Il dit, je suis l'Éternel. Il dit, le Dieu de tes pères. Et puis, après, elle finit ça. L'Éternel dit, mes identifications. Après ça, l'Éternel dit, mes missions. L'Éternel dit, j'ai vu, alléluia, les souffrances de mon peuple. Alléluia, j'ai entendu les cris que les font pousser ces oppresseurs. Et puis moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Attendez, oui. Parce que Moïse était en Égypte. Moïse était en Égypte. En Égypte, il n'y a pas de bon Dieu. Il y a un jet, mais il n'y a pas de voir. Il y a des oreilles, mais il n'y a pas d'attendre. Il y a des bouches, mais il n'y a pas de parler. Mais l'Éternel dit Yahweh. L'Éternel dit Yahweh. L'Éternel dit Yahweh. L'Éternel dit Yahweh. Les différents. Les oreilles, les pieds, les dit Moïse, nous sommes habitués avec Dieu en tôle, nous sommes habitués avec Dieu en bois, nous sommes habitués avec Dieu en papier, nous sommes habitués avec Dieu en bronze, nous sommes habitués avec Dieu en or. Mais moi-même, pas une dans Dieu, ça y est. Je suis l'Éternel, je suis Yahweh, le Dieu de ta père. J'ai vu bien, j'ai pour moi les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris que la faute poussait cette oppression. Et puis l'Éternel dit, attendez ça, l'Éternel dit, je suis détendu. L'Éternel dit, je suis descendu. Il dit, dossier est tellement important. Quel dossier ou après régler, ou voyez un délégué à régler dossier. Mais pour dire quel dossier ou après régler, c'est ou déplacer ou même à régler à faire. Parce que tellement important, il y a pas de rabata, réveillez de mon cochata. Il y a de l'éternel à dire, dans 12 nuits, t'as fini. Dossier parola, c'est pas Michael qui a fini régler, c'est pas Gabriel qui a fini régler, c'est pas Archange qui a fini régler, c'est pas Chérubin qui a fini régler, c'est lui-même qui a descendu. Dis gloire! C'est Alpha et l'Oméga. Hey, 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 hey. Où c'est Yahweh? Alpha et l'Oméga. Si où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Si où c'est Yahweh? L'Éternel fait une présentation à Moïse. Et puis il dit l'Éternel, il dit mais qui mission gagne, c'est que j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Et puis il dit qu'on y a descendu. Et puis il dit me voyez ou à pas représenter devant le peuple d'Israël. Et puis Moïse posait l'Éternel en question. Et puis il dit l'Éternel, puisque ouais. Puisqu'on tendait, puisqu'on descend pour délivrer le peuple et pour voir, pour me parler le nom, il dit l'aime river devant Pharaon, l'aime river devant Pharaon, l'aime river devant Vagabon, l'aime river devant Moun, qui aime le peuple captif là, l'aime river devant Moun, qui aime le peuple prisonnier, l'aime river devant Moun, qui aime le peuple dans l'esclavage là, qui ça m'a dit?
L'Éternel dit dans Exode 4, verset 22. Il dit Lord, il dit, mais qui sont va-t-il? Wabadili. Et si parle. Comprends bien, c'est pas ami ou cap parler, c'est pas frère ou cap parler, c'est pas cousin ou cap parler, c'est pas bon père ou cap parler, c'est pas petit partenaire ou cap parler, c'est mon nègre quand son chiré cap parler là, ainsi parle l'Éternel. Et puis il dit un bagage, Pharaon en cas qu'on pas connaît, you didn't know who you were messing with. Ou pas qu'on qui est sous ta pommette, ou pas qu'on qui est sous ta piétine, ou pas qu'on qui est sous ta marche sous fielle, ou pas qu'on qui est sous ta marche sous biscuitli. Si peuple ça a pour t'appeler de faire travail là, si peuple ça t'appeler de faire corvée là, si peuple ça ou te mettre en esclavage là, si peuple ça t'appeler de travail, son va payer là, bon faut qu'on est qui est lié. Lui dit Israël, lui dit Israël. Lui dit Israël, mon fils, lui dit mon fils. En d'autres termes, lui dit comme ça, Israël, non bon cœur, ça c'est français. Dit Israël, c'est petit moi. Dit Israël. Dit Israël. 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 Lui dit comme ça, regardez, petit peuple ça. Quand t'as piétiné, quand t'as tout fourné, quand t'as passé en barrière, hein? C'est pas n'importe qui peut l'idée. Maintenant, t'as vraiment comprendre qu'en Israël, t'es un pile différents peuples qui étaient dans l'esclavage. La Bible dit que les Israéliens ont sorti d'Égypte. Il y avait les Israélites. Et puis la Bible dit « and a mixed multitude », une multitude mélangée. Cela veut dire que ce n'est pas seulement Israël qui était dans l'esclavage. T'es qu'on pas quelques nations qui étaient dans l'esclavage tout. Ils ont fait passer misère. Ils diront ça grand l'autre nation ou à passer misère, grand l'autre nation ou à piétiner, grand l'autre nation ou à passer en papier, grand l'autre nation ou à malmener. Mais il dit même ça, il dit même ça qui est l'Israël là, c'est pas tant que l'autre nation. Yo, gen moun kap leto, même j'avais n'importe moun, diable a monté sur eux, même j'avais n'importe moun, la babouche, même j'avais n'importe moun, et puis la monté sur récif parce qu'on prophétie prophétie sous tête ou dit gloire. Bon, moi, c'est fini. Dis Pharaon, Israël est mon fils. Maintenant, comment qu'a fait Israël mon fils? Lydie, expliquez Pharaon. C'est esprit même moi te fait. L'aime d'abord fait nation ça. L'aime d'abord fait nation. M'choisi yon nom qui pas de café petit. À 100 ans. Ah, on va comprendre ça, Mathieu là. À 100 ans, pas de la vie encore. Dis à 100 ans, pas de la vie encore. À 100 ans, pas de vigueur encore. À 100 ans, pas de force encore. À 100 ans, pas de sperme encore. Et puis, je cherche une femme qui déjà fait ménopause, qui n'a pas ovulé. Je cherche un homme qui n'a pas fait petit. Et puis, je cherche une femme qui va faire petit. Et puis, mettez ensemble. Et puis, on fait petit. En d'autres termes, petit qui est fait là, il n'est pas sorti ni d'Abraham, il n'est pas sorti ni de Sarah. C'est dans moi. Où c'est Yahweh? 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 Ya. Où c'est Yahweh? Aya, Alpha et l'Omega. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Alpha et l'Omega. Je sais pas où c'est Yahweh. Ou a expliqué à Pharaon que Abraham pas de gène, Abraham pas de sperme, Abraham pas de semence,
Yon nom à 100 ans, li pa gen semence nan li. Ça veut dire Abraham, semence li gagné qui te fait petit là. C'est pas dans Abraham qui t'est sorti, c'est dans moi qui t'est sorti. Donc moi, est-ce qu'on va les faire tout là? Moi déposer Abraham nan, semence dans Abraham. Donc Abraham a porté la semence. Et bien Isaac lui-même lui passé semence là. Et puis Jacob lui-même lui multiplié semence là. Et puis Joseph allait en Égypte lui présenter avec semence là. Alléluia. L'arrivé en Israël encore. Et puis en Israël, il transformait semence là. En Égypte, semence là transformait en nation. Donc, il dit nation ça. Il dit nation ça. Il m'a demandé nation. Il dit Israël. Il dit Israël, c'est mon fils. Il dit Israël, c'est petit moi. Israël, c'est petit moi. Israël, c'est petit moi. Et puis, pour nous regarder verset 23, nous sommes là. Il dit ainsi par, eh bien, Israël est mon fils. Et puis il dit comme ça, laissez aller. Il dit, laissez aller mon fils. Donc il dit comme ça, mais qui sont abattis à Pharaon, ou abattis à Pharaon, gardez Pharaon, quittez petit moins. Est-ce qu'on a des amatias là? Quittez petit moins. Aïe, 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 aïe. Quittez petit moins. Quittez petit moins. Il dit, Pharaon, quittez petit moins. Quittez petit moins. Quittez petit moins. Il dit, Pharaon, peuple sort là. C'est pas petit vagabond yoé, c'est pas petit monde sa maman yoé. Est-ce qu'on t'a des amants là? C'est pas petit misangado yoé, c'est pas un père qui va des bon Dieu yoé. C'est dans moi yo sorti. Qui te fait moi en a? Qui te petit moi en a? Qui te petit moi en a? Qui te petit moi en a? Donc il dit qu'on s'avoue devant Pharaon et pour dire ça. Et puis le l'arrivé devant Pharaon, il baille Pharaon message là. Et puis Pharaon dit comme ça, qui est ce bon Dieu ça? Qui est ce bon Dieu ça? Qui est-ce qui a ouais? Qui est-ce qui a ouvert pour me t'attendre voile, pour me laisser Israël aller? Et puis l'Éternel dit comme ça, ou dit qui est-ce qui a ouvert, ou bral connaît, ou bral connaît, qui est-ce qui a ouvert? Il dit bral frapper Égypte de 10 plaies, et pour bral connaît, qui est-ce qui a ouvert? Puisque ou pas qui est-ce qui a ouvert, bral identifier. Et puis l'Éternel commence à frapper Israël de toute qualité plaie. Est-ce qu'on t'a laissé ça m'a dit là? Les parce que petit bon Dieu, t'es dans esclavage pendant longtemps. Petit bon Dieu, t'es gain 10 ans, t'es gain 20 ans, t'es gain 100 ans, t'es gain 200 ans, t'es gain 300 ans, t'es gain 400 ans d'esclavage. Et puis les délivrances là sonnent. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit? Les délivrances là t'es sonné. Les délivrances là t'es sonné. Les délivrances là t'es sonné. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là? Chaque monde bon jour pour les délivrances ou sonné. Chaque monde bon moment pour les délivrances ou chambé. Chaque monde bon année. Chapoun go ane, chapoun go ane, chapoun go ane, chapoun go ane, pour délivrance si sonne, tu ou se Yahweh, ou se Yahweh, ou se Yahweh, ou se Yahweh. Qui est moyen et puis on va laisser petit moyen aller. L'Éternel frappe Égypte. Il commence à frapper Égypte de toute qualité plaît. Il frappe glow Égypte. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a tout là? Il frappe glow Égypte et puis il fait glow Égypte tourner sang. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a tout là? Et puis il dit quitte petit moyen. Allez. Quitte petit moyen. Allez. Quitte petit moyen. Allez. Quitte petit moyen. Allez. Il frappe poussière de l'Égypte et puis il fait poussière pays tout n'est pour et puis mon pour sous tout le monde et puis il dit qui t'es petit moi qui t'es petit moi qui t'es petit moi il frappe les animaux du pays et puis tout animaux ont commencé à tomber raide cabri tomber raide bœuf tomber raide chef tomber raide il dit qui t'es petit moi qui t'es petit moi qui t'es petit moi qui t'es petit moi longe main dans ciel là, il frappe soleil là, et puis soleil là vient tout noir, et puis il fait blackout sous tout pays. L'Éternel dit qu'il est petit moi, qui est petit moi, qui est petit moi, qui est petit moi. L'Éternel longe main sous nuage, et puis il frappe ciel là, et puis l'orage éclate sous tout pays. L'Éternel dit qu'il est petit moi, qui est petit moi, qui est petit moi, qui est petit moi.
l'Éternel frappait les premiers-nés de l'Égypte, inclus le premier-né de Pharaon. Et puis Pharaon met deux mains en tête. L'Éternel dit, qui t'es petit de moi? 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 Pour dire ma femme, c'est prophétiser sous la vie. Entendez l'Éternel dire comme ça. Moment esclavage ou a fini. Saison esclavage ou a fini. Temps esclavage ou a fini. Moi esclavage ou a fini. Entendez l'Éternel. L'Éternel dit. Tant pour pas d'aller. Il t'a dit de frapper soleil. Tant pour pas d'aller. Il t'a dit de frapper jade. Tant pour pas d'aller. Il t'a dit de frapper de l'eau. Tant pour pas d'aller. Il t'a dit de frapper. Tout pharaon qui va rien. Parce que petit moins doué. 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 L'étip peuple ça. L'étip peuple ça. A passé dans l'esclavage. L'étip peuple ça. A porté bloc dans l'esclavage. L'étip peuple ça. A boîtier moitié dans l'esclavage. L'étip peuple ça. A fait ciment dans l'esclavage. L'étip peuple ça. A planté du matin au soir dans l'esclavage. Mais ouais, peuple ça qui dans l'esclavage là. Destiné, c'est pas esclavage. Hey, futur, c'est pas esclavage. Demain, c'est pas esclavage. Appelle ça esclavage. Quel que soit son même à passer aujourd'hui, moi, il faut qu'on est. C'est pas destiné, moi. C'est pas futur, moi. C'est pas là, ma prêté. M'ka passe un moment difficile. Oh, alléluia. M'ka passe un moment difficile. Mais ma situation n'est pas ma destination. Vous m'appelez ça en tout là. Moi, il faut qu'on est. Situation, pas destination. L'idée peuple, ça, qui n'a esclavage là. L'idée n'a pas ses misères dans l'esclavage. Mais il y a un bel pays. Li gon bel pays, Captain ni, li gon Canaan, Captain ni, gon côté où coule le lait et le miel, Captain ni, li na esclavage, mais il doit aller pour l'aller héritage li, et pour arriver dans héritage li, Pharaon, 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 qui te petit moi, 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 qui te petit moi. Cherchez sept bouts de baillot la main encore. Dis de l'esclavage à l'héritage. De l'esclavage à l'héritage. De l'esclavage à l'héritage. De l'esclavage à l'héritage. 31 décembre. Alléluia. 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 31 décembre. Bon bagage spécial qui va le passer. Moi tout 31 décembre. Bon bagage spécial qui va le passer. 31 décembre. Bon sonnette. Bon trompette qui va le sonner. 31 décembre. Bon cloche qui va le sonner. 31 décembre. Bon brique qui va le faire. 31 décembre. Quoi passer? Moi dis de l'esclavage. De l'esclavage. De l'esclavage. De l'esclavage. De l'esclavage, de l'esclavage, de l'esclavage. Il dit qui t'es petit moi aller pour yon ka entrer dans l'héritage. Qui t'es petit moi aller pour yon ka entrer dans destinée. Qui t'es petit moi aller pour yon ka entrer dans le demain. Qui t'es petit moi aller. Pour yon carré, aller, rive côté mrele ou pour aller. Sou recevoir, dis vous recevoir. Shekinah app. Téléchargez-le, Kounia.